Bonjour, bonjour, c'est le blond et le brun. Donc là, nous sommes sur le Let's Play épisode 3 de Batman Arkham Asylum. Bravo! Et donc voilà, on s'est mis juste un petit peu avant de ce qu'on venait faire et on commence. Faut que t'avances vers le... Mince. Oui? Non, mais déjà, faut que t'avances vers le gars avant qu'il parle quand bon. Même. Ah oui. Le Joker doit avoir compris. On passe, hein, ça vous en doutez. Détection. Si, ben je serais mal aujourd'hui quoi. Voilà. Ça déconne grave quand même. Hein. Ça, c'est normal. Oui, c'est moi, Edward Nygmar, l'homme mystère. Et plus important encore, un être à l'intelligence supérieure. Mon génie m'a permis de pirater facilement tes communications primitives. Mon but est simple. Ça va, on est con. Tu termines une série de défis drôlement ardus et... tu verras bien. Prêt pour le premier? Bien. Mais attention, ne te coupe pas sur ce portrait finement observé. Bon. Ah, je suis bon, hein, t'inquiète. Ouais. Si vous vous souvenez, j'en ai méchamment chié avant. Ouais, hop. Donc, ça, c'est des défis secondaires qui servent pas à grand chose. Pas des objets cachés un peu sur toute la map et des petits défis, genre taper. Ah, comment ça se fait que je passe sur là, là. C'est la bug de caméra, quoi. Passer d'une zone à l'autre. C'était un massacre. Bowles est arrivé en nous disant de protéger l'entrée de devant. Il a dit que la bande du Joker arrivait par la porte principale. Deux de mes gars se sont mis à la sortie, et Frank les a tués. Ils n'avaient aucune chance. Bowles était seul? Je croyais, mais j'ai vu Harley, Harley Quinn. Quinn ah. Des détenus de Blackgate l'entouraient. Ils massacraient tout le monde dans la pièce. J'avais pas le choix. Je suis venu ici, j'ai fermé. J'ai tout vu sur le canal de sécurité. Ils avaient quelqu'un, on aurait dit le directeur. Bowles est mort. Ils ont continué sans lui. Il ne servait plus à rien. Bien. Il valait à rien. Tu fais exprès de dévier la caméra? J'adore. Bah, faut aller où? Par là. Désolé, bon, mon pote. Bon. Bon. Parle à ton pote. Qui est mort. Ouais. Oh! Un trophée! Chaque de code, donc il y a pas mal de trucs en fait qu'on ne peut pas du tout y aller tant qu'on n'a pas certains équipements qu'on aura, voilà, ouais, par exemple pour faire péter ça, la comment ça s'appelle, du gel explosif pour faire péter les trucs. Il y a d'autres trucs où on est obligé d'avoir le grappin qui fait trois grappins en même temps. Tiens, regarde, Jack de Gotham, ils en parlent. Donc, Jack Ryder est en direct, la baie de Gotham avec des scoops. Donc, ça veut être en rapport avec Jack Ryder. Voyons, c'est nous. Ça va nous faire. Pas t'avance pas. Parce que, ça, c'est un événement secondaire. Non, c'est juste pour parler, c'est tout. Pour foutre de l'ambiance. Bah non, regarde, c'est pour ça qu'à l'ouverture de la pièce, c'est marqué connaissez-vous Jack de. T'as pas vu? Non. Il y a marqué connaissez-vous Jack, etc. Ah, mais c'est qu'il y a... Il doit y avoir une énigme, c'est tout. Ouais. Avant, on s'en fout de l'énigme. Bah non, c'est que c'est qu'en rapport avec cette pièce. Oui, bah c'est. Non, mais c'est qu'il faut découvrir un indice dans cette pièce-là, c'est tout. Ah, bah c'est le truc de. Comme le tableau, c'est que dans chaque pièce, il va y avoir un intitulé de ce qu'il faut découvrir en fait dans les pièces. Donc c'est pas par rapport à la radio? Non, non, c'est pas par rapport à la radio. C'est dans chaque pièce, il y a des trucs du genre, tu vas avoir, je sais pas, l'ordre fait place à la bataille ou je sais pas quoi, et tu dois, je sais pas, sélectionner une statue ou des trucs comme ça avec le mode. Ouais, je sais pas, parce que j'ai un truc en plus, ça peut être en rapport avec... Non, non, c'est les trucs de l'homme mystère. Ah, quelle force. Bah, c'est les gants bioniques, là. L'homme qui est un homme, mais qui a surtout beaucoup de machines avec lui pour l'aider, parce que sinon il aura du mal à se lever avec ses genoux. Alors. Et là, nous arrivons dans sur l'île. On pourra en parler, je pense. C'est pas une des fondations, ou c'est. Ah, là t'avais un truc en haut. Voilà. Ah.
Vu que de toute façon c'est un cul-de-sac à côté, ouais moi je saisis. Et nous sommes sur l'île. Ouais c'est sympa, on apprend pas mal de trucs sur l'histoire d'un peu tout le monde, les cassettes qu'on récupère. Ouais c'est trop génial ça. Les cassettes c'est une trop bonne idée maintenant. Ça te permet d'apprendre comment Harley Quinn elle est devenue Harley Quinn, comment c'était et etc. Ah ouais j'avoue. Plein de personnages secondaires qu'on pense pas. T'as pas de suite de sauter hein, de toute façon. Pour l'instant c'est des gardes ici. Tu peux lâcher hein, de toute façon il se fait tout seul son atterrissage. Allez, je vais parler aux gardes. D'accord. J'adore moi prendre les tissus là. Par contre, par où je suis passé, c'est marqué toujours dans la caméra. Ah, tu viens de passer un niveau. Ah, pas faux. Alors, amélioration. Élimination inversée. Oh, j'aime bien l'élimination inversée. Oui, fais ça, oui. Ça permet de rester discret le plus longtemps possible. Ouais. C'est sympa. Tu passes d'une gargouille à l'autre si tu les suspends en l'air. C'est magnifique, pas faux. C'est la bonne technique. Voyons, la carte doit me marquer où je dois aller. Sauver non. Le commissaire Gordon. Ah, il doit être là, le commissaire Gordon. Non. Bon. Parle à un garde. Ouais. Vous voulez que je fasse quelque chose? Restez simplement en vie. Je me chargerai du reste. C'est un très grand dialogue. Merci. Non mais rentre dans le bâtiment principal. C'est là où il y a le bureau du directeur. Hein. C'est sûr? Oui, ben reviens derrière. Ah oui, j'ai pensé que c'était par là-bas. Hein. Non, non. Pourquoi il y aurait un petit bonhomme alors? Pourquoi un petit truc jaune? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ça aura pas. Ok. Alors, j'imagine que je dois vous parler. Super, c'est vous. Vous avez attrapé le Joker? Non. Mais je vais le retrouver. Vous devez rester ici, et empêcher quiconque d'entrer dans le manoir. Comme vous voulez, Batman. Personne ne passera. D'accord, bah toi non plus. Donc faut que tu trouves une entrée à l'extérieur. Juste au-dessus... T'es sûr que c'est dans le manoir? Voilà, allez, capteur à Batmobile, d'accord. Faut aller chercher la Batmobile. Désactivez le système de défense de la Batmobile. J'ai vu l'alerte, qui a-t-il? Où êtes-vous? Je suis à l'extérieur du manoir d'Arkham. Harley Quinn a probablement déclenché l'alarme. Si elle a toujours Gordon avec elle, il pourrait être blessé. Ok, c'est bon. La Batmobile est toujours garée à l'extérieur du bâtiment de soins intensifs dans Arkham Nord. Je vous ai envoyé les schémas de l'ensemble de l'île. J'ai marqué les emplacements clés, comme votre voiture. Merci, Oracle. Et on peut pas courir. Ah. Donc voilà. Ah, c'était bien vers là, le point, en plus. Non, il était là, en bas à droite, en bas à gauche, là, dans le petit truc. C'était d'où tu venais, en fait. Bon, hop. Ah, après, ce que j'aime bien, c'est que t'as carrément une, comment dire, un truc qui te permet de faire une, une tyrolienne. Ça te permet de te déplacer trop vite. C'est par le bas. Oui, c'est par en bas. Donc, on va faire des épisodes d'une quinzaine de minutes. Je crois qu'il a dégagé de l'autre côté, fais gaffe. Désolé. Faut tout le temps parler aux gardes, si tu peux. Passe par le dessus le truc et essaye de les prendre de dos. Tu vois ce que je veux dire? Jackson. Restez avec votre collègue. Je mets un terme à tout ça. Maintenant. Merci pour votre aide hein, avant tout. Parce que sans vous, j'aurais eu du mal. Tu leur passes de dos et tu les exécutes, tu sais, en silence chacun. Vas-y. Ça c'est quand même super marrant. Tu peux l'exécuter à 5 mètres et hein. Je m'en fous moi. Allez. Ouah, le gars il devrait être mort quand même là. Les éperons dans la gueule, tu crois? Bon. Surtout qu'ils sont mis à recrombés. Hein. Monte sur un truc, si tu peux, pour les choper de hauteur.
c'est pour tout le temps. Alors ce que j'avais repéré, moi, vu que j'ai fini le jeu pour pouvoir savoir un peu de quoi je parle, les ennemis, il y en a qui tapent donc avec des trucs forts, donc faut les parer d'une certaine manière, d'autres faut les esquiver, et d'autres faut leur sauter par dessus. Donc c'est pas super complexe, mais tout enchaîné ça le devient quoi. Comment ça, je suis pas Batman? Et plus on fait des combos aussi, plus on peut désactiver des finishes. Ouais, bah moi je dis toi, je suis pas très très mauvais en combat. Hein. Il y a des réserves de gel explosif dans le coffre. Donc là, tu débloques le gel explosif. Ouais, peut-être besoin. Harley a laissé des traces sur la voiture. On dirait qu'il y a eu une bagarre. Je dois fouiller la zone autour de la Batmobile. Allez. Je pourrais trouver un indice sur le lieu où elle a emmené Gordon. Ah, je dois voilà. Isoler une trace de crime autour de la Batmobile qui me mènera à Gordon. Ah non, j'utilise du gel explosif. RT. Ouais. Ce qui est sympa, c'est que là, on peut jouer avec la manette Xbox. Ouais. C'est tous les jeux d'action comme ça, ils sont largement mieux avec une manette quand même. Genre les Assassin's Creed, etc. Et je peux passer par le toit. Pour avoir. Alors, tu as abandonné et pris ma carte. J'espère que ça se révélera utile. Voilà. Ah, ne levez pas la tête en ouvrant la porte. Et les secrets, bien sûr. Ah voilà. Et mon expérience. Bizarre. C'est la pipe de Gordon. Barbara la lui a donnée. Il ne la quitterait pour rien au monde. Ah ouais. Ah mince. Ah. Ça se finit pas. Alors. Non, faut laisser appuyer jusqu'à la fin. D'accord. T'analyses le tabac comme ça, après tu le. Gordon. Gordon est plus intelligent qu'il n'en a l'air. Il m'a laissé une piste à suivre. Gordon a plus... est plus intelligent qu'il n'en a l'air. Le mec a l'air vraiment simple, quoi. Pourtant, Gordon, c'est quand même son. Ah ouais, c'est son meilleur pote, hein. Genre son bras droit, quoi. C'est exact. Son meilleur pote avec Alfred, quoi. Il m'a laissé une piste à suivre. Oui, mais il est vivant. Ah, il s'est passé qui? Les portes Gordon. De sécurité sont fermées. Je vais non, théoriquement. Ça dépend à quel moment dans l'histoire, ça dépend plein de choses. Mais généralement, non. Le mur en face. Et ça fait mal, pour que mon si vous demandez. Ah, non, ça doit lui faire mal. Quelqu'un a vu la grosse chauve-souris? Il a peut-être. Et après, tu peux débloquer des compétences, etc. pour utiliser le gel explosif comme un genre de mine qui se détecte, tu le poses au sol. S'il y a un ennemi qui passe à côté, ça les tourne. Ah oui, si vous demandez, il y a des trucs cachés. On peut débloquer qu'avec ces petits. Ouais, mais cherche pas les trucs cachés, sinon on a pour une plombe. C'est pas très intéressant. Je vais enlever ça aussi. Ça me permet de voir un peu où tout le monde est. Oui, par contre, oui, ça permet de voir les ennemis. C'est à travers les murs, c'est quand même excellent. Vas-y, tu libères toute la cour et on va arrêter là. Ok. Ah. Achève-les par terre. Allez, je vais juste montrer un truc que je connais qui est un objet caché. Un glitch. Bon, bien montrer ce que ça peut être. Par contre, ouais, c'est gentil. Mais c'est pas cool comme ça. Voilà. Hop. C'est l'axe Y qui te gêne ou quoi? Bah, je sais pas, je galère. L'histoire. Je sais pas ce qu'on a un meilleur moyen de dire ça. C'est bon. Bah, c'est vrai, bon. Hop. Ça va être là. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, y en a un que je connais ici. Ah, non. Attends, c'est marrant ça. Ah, ok, bon, je me suis trompé. Je croyais y en connaître un. On s'en fout en plus. Je t'ai dit juste avant. Non, mais moi je t'ai dit. Ah, y'a pas que toi. Je t'ai dit juste avant qu'il y en a un que je connaissais et que je voulais faire voir. Ah, ouais. Ah, le truc de hauteur là où tu le vois. Ouais, ouais. Je sais même plus où il est. Enfin, il est dans une des cours, ouais, mais. Non, mais dans cette cour normalement. Je suis juste pas. J'ai juste galéré pour trouver. Faudra le faire soigner. C'est Batman, sauf que c'est plus Batman. Tu vas quitter par la tête. Ah non, je veux pas le gel. Comment on change? Voilà. Ouais, on va du mon purée. Bon. Moi j'ai pas le temps. Quand ils savent d'où tu viens, tu peux pas les. Écrase la tronche par terre. Mais t'embrocher avec ce truc.
C'est vraiment sympa le système de combo. Hein. Surtout que le combat s'accélère après, vu que tu fais du combo. Quand Get frappe avec une barre, ouais, ça fait ça. Non, j'aime pas les coups. T'as vu les yeux qu'il avait, le gars? Ce psychopathe. Bon bah tu pètes les 2-3 trucs là qui font, on va s'arrêter là. C'est combien là? 15 minutes je crois. Regarde. Oui, ça fait 15 minutes. Bon bah on va s'arrêter là. Donc c'était le brun. Et le blond sur Batman, Arkham, Asylum. Le let's play numéro 3. N'hésitez pas à commenter. Et bye bye.